Salut à tous, petite vidéo vite fait pour vous présenter la petite nouveauté de chez Sony, donc la fixation dorsale de commande. On va appeler ça les palettes, hein, parce que bon, le nom ils ont pas trouvé très original. Du coup, je vais pas vous faire d'unboxing parce qu'il est déjà unboxé, hein, bien entendu. Rien d'exceptionnel, hein, la boîte, voilà, on a juste matériel compatible, manette sans fil, DualShock 4, attribuer deux actions au touche, voilà, blablabla, blablabla, bla et blabla. Voilà. De la boîte à l'intérieur, on n'avait rien d'exceptionnel, hein, le petit produit avec emballé, et puis le livret de 45 000 pages et demie qui sert pas à grand chose parce que c'est quelque chose de relativement simple à configurer. Je vous montre le petit produit sous tous ses angles. Donc le jack. Là, il y a un côté un peu caoutchouc bon, qui prend un peu la poussière, mais qui du coup adhère bien à l'arrière de la manette. Niveau du poids, on est relativement très léger. Hein. Clairement, je trouve. Enfin, j'ai pas regardé le poids, tiens, j'aurais dû regarder. Je regarderai tout à l'heure, parce que là, du coup, je vais pas. Mais clairement, ça doit peser rien. Pas grand chose, peut-être une dizaine de grammes, je dirais, mais après, j'ai pas trop de comparaison. Si je prends par exemple une Choupa Choups, si je prends une Choupa Choups, il n'y a pas une énorme différence de ouf. Hein. Légèrement plus. Ouais, encore, parce qu'il y a ça. Mais en soi, c'est pas lourd du tout. C'est vraiment un avantage pour 30 balles, je trouve. C'est vraiment un avantage. C'est pas lourd du tout. On pourrait penser que, mais pas du tout. C'est vraiment. Moi, je suis très contente. Je pensais vraiment que ça allait être un gadget pas utile, mais franchement, je suis assez contente. Je vais l'installer pour aller au plus rapide. Donc pour ceux qui se posaient la question, donc vu qu'on utilise le jack, voilà, hein, c'est pas très compliqué à utiliser, à installer. Vu qu'on utilise le jack, ils ont quand même rajouté un jack dedans pour qu'on puisse brancher le casque pour ceux qui jouent en filaire. Donc voilà, une fois installé, on voit que ça épouse parfaitement bien la manette. Il n'y a pas de jeu, il n'y a vraiment aucun jeu, c'est très très bien clipsé. Je vais essayer de vous montrer un peu. On voit qu'il n'y a pas d'écart. Puis comme il y a le caoutchouc dessous, du coup, ça risque pas de glisser. Ça rajoute vraiment pas de poids, légèrement, mais vraiment, c'est très très léger au niveau de la manette. Donc la prise en main, moi, ça m'y change rien du tout. Au contraire. J'aime pas trop quand les manettes sont trop lourdes ni trop légères. Là, pour moi, c'est un poids qui se vaut. Donc, après, au niveau de la prise en main, il y a là pas, rien de gênant. Moi perso, je joue sans fil, donc ici j'ai pas de truc, donc ça me dérange pas. Au niveau de la prise en main, après, au niveau des palettes à l'arrière, c'est relativement simple d'accès. Quand on joue, ça fait pas supra du bruit de ouf, quoi. C'est limite, on s'en rend plus compte. C'est très réactif quand on appuie dessus. En ce qui concerne le pavé, donc du coup le pavé, enfin le tactile, donc là on a un petit tactile qui est très rapide, qui s'éteint très rapidement, mais du coup je pense que c'est. Enfin moi j'ai pas constaté que ça bouffait énormément de batterie en plus. Donc déjà de ce côté-là, rien à signaler. Justement vu qu'une fois qu'il est programmé, qu'on a regardé, voilà, là on a notre programme. J'ai découvert tout à l'heure qu'il y avait plusieurs programmes. Une fois qu'on a le programme, de toute façon il est installé quoi. Donc il n'y a pas besoin de toucher l'écran, il ne sert pas à 30 millions de fois quoi. Et du coup ce que j'ai remarqué, donc là je vais vous montrer vite fait comment on programme. On a la possibilité, donc quand on appuie deux fois, quand on appuie une fois on a le programme de base. Quand on appuie deux fois rapidement, voilà, on a donc la possibilité de programmer trois, d'avoir trois programmes. Je voulais pas dire trois fois programme, mais du coup voilà. Donc moi je joue sur le Call of, parce que je dis que sur Call of hein, bien entendu. Je joue en placement-déplacement, du coup j'ai mis mon R3 qui est le saut et le rond pour les glissades. Après je suis en phase de test, j'avais testé d'autres trucs, mais voilà, les grenades et tout, le truc chiant c'est quand on joue qu'on n'est pas habitué aux palettes, bah du coup les grenades vont m'inviter de lancer. Parce que j'ai tendance un peu à m'embrouiller parce que je suis pas habitué, du coup des fois bah, au lieu de viser, bah, j'appuie sur rond, enfin sur mon R3 ou machin, enfin voilà. Donc du coup après ça dépend des affinités de chacun. Donc là pour la programmation, je vais juste vous montrer comment on fait. Hop, on appuie quelques secondes dessus et là on peut du coup quand on fait celle de gauche, on programme celle de gauche. Je vous mets mon R3, hein, c'était pour montrer. Voilà. Et celle de droite, on met les touches qu'on veut. Donc il y a toutes les touches de possible, voire même on peut mettre pas du tout. On valide une fois. Sur le petit bouton, et voilà. Donc là, on est parti.
pour commencer à jouer. Donc là, hop là. C'est vraiment une question d'habitude, hein. Là, j'ai encore pas les bons réflexes, mais hop, après, voilà, là, je suis en train d'utiliser le rond avec ma palette. C'est hyper réactif, on peut largement appuyer très rapidement entre deux. Comme, voilà, c'est vraiment pas gênant en soi. Oula. Si, il y a des moments j'ai un peu du mal parce que je suis pas habitué et du coup, je vais un peu appuyer sur plein de boutons différents. Mais voilà, en soi, c'est une question, juste, je pense, d'habitude et je pense que toute personne ayant commencé avec des palettes au départ n'était pas forcément parfaite, quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, enfin que vous, en tout cas, ça vous aura donné les informations que vous vouliez savoir. Je suis désolé encore pour la qualité, hein, on fait avec les moyens du bord, mais voilà, je recommande sans problème. Après, comme je vous ai dit, j'ai pas de comparaison avec Scuf ou machin comme ça, donc du coup, je peux pas très vraiment dire. Mais en tout cas, moi je trouve que ça s'adapte parfaitement, c'est léger, c'est très réactif. À voir sur la durée, mais a priori je vois pas pourquoi il y aurait de soucis. Voilà, après ça reste du Sony, hein. Mais pour 30 balles en tout cas, je crois que il y a moyen que ça concurrence en tout cas Scuf et toute la bande, parce que du coup c'est accessible. Après, voilà, chacun a son avis sur les palettes et tout. Moi je vous avoue personnellement, du coup j'ai été très réticente à cet objet là, mais au final je trouve que c'est quand même vachement plus pratique pour tout ce qui est saut et puis ce qui est glissade pour ma part en tout cas. Voilà, après c'est comme on a la possibilité de pouvoir configurer tout ce qu'on veut et comme on veut, donc voilà, c'est à la guise de chacun. Je vous souhaite une bonne soirée et puis n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Salut !